Bonjour à tous, voilà, bon, je me présente, je m'appelle Hugo, diplômé de stylisme à Saint-Luc-Tournai en 2014. J'ai eu l'occasion aussi d'être assistant styliste dans différentes boîtes en Belgique. Et maintenant, je suis aussi professeur à coursdecouture.org. Voilà, maintenant je vais vous présenter donc la machine officielle de coursdecouture.org, la Cécile. Donc, dans la boîte, vous avez quoi? Vous avez bien sûr le mode d'emploi. Vous avez aussi donc l'housse de protection bien sûr. La machine, il va de soi. Et justement donc le pied pour la brancher et la pédale. Donc la Cécile, il faut savoir que bon, elle a toutes les caractéristiques d'une machine, on va dire, de base, mais qui sont relativement importantes. Garantie à vie bien sûr. Ça c'est un petit plus qui fait toute la différence. Ce que je trouve déjà pas mal justement, c'est qu'elle a 21 points différents. Elle a aussi la largeur de points réglable aussi qui est ici, la tension. Et bien sûr, ce qui est pas mal du tout, que beaucoup de machines n'ont pas aussi, c'est justement il y a la boutonnière automatique en 4 étapes. Qui est juste ici. Donc fournie avec les ustensiles qui sont relativement importants aussi. Donc, vous avez le pied de biche boutonnière qui n'est pas mal du tout. Je vais vous le sortir. Le voici. Vous avez toujours une canette en plastique, plate, hein. Pas confondre avec les bombées. Vous avez aussi donc le petit pinceau pour nettoyer les surplus, tout ça qui est à son intérieur. Vous avez aussi donc là pour justement mettre les clés. Enfin, le restant justement c'est un petit peu de l'accessoirisation, mais vous allez rentrer où je veux en venir. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des différentes molettes qu'il y a sur la machine à coudre. Bon, vous avez donc celle-ci qui est toujours pour avancer, reculer manuellement. Vous avez ici donc la différence de longueur pour le point zigzag. Vous avez ici donc la roulette pour la tension. Là vous avez donc justement la grosseur du point et tout ça si vous voulez vraiment faire la boutonnière et autres. Et vous avez du coup les différents points. Donc là vous avez point simple, point triple, point zigzag, point élastique. Donc les liens à la base. Vous avez aussi donc les quatre comme je vous ai parlé tout à l'heure donc pour faire la boutonnière automatique. Maintenant, je vais vous montrer comment on remplit une canette. Donc, la canette, justement, que j'ai trouvée dans le petit compartiment situé ici. Vous posez la canette ici, sur le petit bec. Et après, vous suivez justement les indications qui sont sur la machine. Donc là, je lis. Hop. Hein, on tourne. Vous tournez autour de la canette. Jusqu'au petit excédent de fil. Bien sûr, vous allumez, vous tournez vers la gauche et vous appuyez. Et ça sonne automatiquement. Ce qui est pas mal justement, c'est que une fois rempli, ce qui est pas mal justement avec ça, c'est qu'une fois rempli, donc le fil va pousser petit à petit contre ceci, qui va automatiquement pousser la canette vers la droite. Et là, votre canette est remplie, il n'y a plus qu'à couper. Une fois la canette remplie, maintenant je vais vous montrer comment insérer. Vous enlevez le boîtier, vous ouvrez le compartiment dû à cet effet, et vous pouvez voir le porte-canette qui est déjà dedans. Porte-canette qui se présente comme ceci. Vous enfilez la canette histoire qu'elle soit dans le sens de l'aiguille de montre. Vous faites ceci. Vous suivez simplement les indications. Et vous venez l'insérer dans le boîtier. Ouais, comme ça. Précision quand même importante, mettez quand même l'interrupteur off de la machine, on ne sait jamais. Et vous remettez le boîtier à sa place. Je vais vous montrer comment l'enfiler maintenant. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des petits dessins un peu partout sur la machine à coudre. Donc là, pas de panique, vous suivez simplement les petits symboles. Donc là, une, deux, vous descendez, trois, quatre, vous remontez, cinq. Vous pouvez utiliser la petite roulette à côté pour masquer le bec. Et vous venez la glisser ici pour un fil dans les...